Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Le projet de Jésus est un projet de recréation et un projet de rassemblement de toute l'humanité. Dans l'Ancien Testament, quelques chapitres après le récit de la création, nous avons vu Dieu appeler Abraham, le grand-père de Jacob, lui-même père des 12 tribus d'Israël. Par le peuple d'Abraham et de Jacob, Dieu veut répandre sa bénédiction sur tous les peuples. Jésus vient restaurer la création. Alors au début de son ministère, nous le voyons choisir 12 hommes, les apôtres, par lesquels il veut rassembler son peuple et répandre la bénédiction de Dieu par toute la terre. C'est en accueillant la parole des apôtres et de leurs successeurs, en participant à la vie de l'Église rassemblée autour de Jésus, que nous recevons la bénédiction de Dieu. Alors ce peut être une occasion particulière aujourd'hui de prier pour l'Église, pour le pape et pour les évêques.